Bonjour à toutes et tous. Augustin Gravier, conseiller fourrage et prairies à la Chambre d'agriculture de la Loire. Nous nous trouvons dans les monts du Lyonnais, à Cotence, ce 25 avril 2024, sur un métail fourrager protéique riche en légumineuses, sur une exploitation vache laitière filière conventionnelle. Ce métail fourrager a été implanté sur une parcelle de sol argileux, avec un petit peu de sable, de bonnes réserves utiles en eau et de très bonnes CEC. Cette parcelle est historiquement en rotation courte, de type métail fourrager, maïs fourrager plante entière non irriguée et céréales à paille. Ce métail fourrager a été implanté fin octobre 2023 derrière un couvert de moutarde blanche, elle-même semée derrière une orge d'hiver. Une partie de la semence de moutarde blanche n'ayant pas germé à l'automne 2023, on la retrouve en cette fin avril dans le métail fourrager, avec une contribution à la biomasse qui n'est pas négligeable. Ce métail fourrager a été implanté de manière simplifiée fin octobre 2023. Le couvert post-moisson de moutarde blanche a été broyé, puis déchaumé de manière superficielle. Le semis du métail fourrager a été effectué au semoir à dents relativement peu profond. Ce métail fourrager n'a eu pour effluent d'élevage que du lisier dans la préparation du lit de semence en automne 2023. Aucun effluent organique ou minéral n'a été apporté fin hiver, début printemps 2024. Ce métail fourrager se compose pour 75 kg/hectare de vaisse velue. Une vaisse velue de variété plutôt agressive à très agressive et très vigoureuse en sortie d'hiver. Et ce métail se compose également de 80 kg/hectare d'avoine, plutôt une variété avoine noire d'hiver, peu vigoureuse au démarrage en fin d'hiver et assez tardive en termes de date d'épiaison. Puisque en ce 25 avril 2024, l'épi ne se situe qu'à 5 cm de hauteur du sol dans la gaine de l'avoine. L'épiaison ne devrait donc pas arriver avant la fin du mois de mai 2024. Ce métail fourrager, lorsqu'il a été implanté, avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de fournir un fourrage lactogène avec une protéine de très bonne qualité nutritionnelle, protéine qui serait fournie par la vaisse velue. Et l'objectif en même temps, c'était de ne pas trop diluer la teneur énergétique, donc en UFL par kilogramme de matière sèche. La vaisse velue pure, en effet, eh bien, elle titre à 0,92 voire 0,95 UFL par kilogramme de matière sèche, et ce même au stade fin bourgeon, début floraison de la vaisse velue. Le deuxième objectif, c'était d'avoir une dérobée fourragère peu gourmande en eau et assez peu gourmande en nutriments, qui serait un très bon précédent cultural avant l'implantation d'un maïs fourrager en deuxième moitié du mois de mai.